peut-être que dans un épisode précédent, j'ai dit qu'il y avait trois principaux types d'habitats sur la planète, à savoir les habitats marins, puis terrestres et de l'eau douce. Mais on pourrait même argumenter qu'il y a un quatrième type d'habitat qui est apparu depuis que la vie sur Terre s'est évoluée. Puisqu'il y a certains animaux qui détournent le nez à vivre dans un milieu marin, dulcicole ou terrestre, ils choisissent de vivre ailleurs. Mais c'est où ce quatrième type d'habitat où ces animaux choisissent de vivre Chez des autres organismes. On les appelle des parasites. Certains, comme cette tique et cette sensu bien nourrie, vivent sur d'autres organismes. D'autres, comme ce ver nematode, choisissent de vivre dans d'autres organismes. Mais peu importe le type de parasite qu'ils sont. Ils utilisent tout le corps de leur hôte comme habitat et nourriture. Le parasitisme amène donc la perspective de reconnaître un quatrième type d'habitat, les autres organismes. Donc, avant tout, lorsque nous pensons au corps de l'hôte comme habitat, nous pouvons penser que soit à l'extérieur du corps, dans ce cas nous parlons des ectoparasites, ou alternativement, il pourrait vivre à l'intérieur de l'autre organisme. Dans ce cas-là, on les appelle des endoparasites. Donc, comme les autres habitats que nous avons appris à connaître sur notre planète, les organismes hôtes fournissent des propriétés uniques de ces types d'habitats qui peuvent créer certains avantages pour devenir un parasite, mais aussi certains défis qui doivent être surmontés afin de satisfaire leurs besoins. L'un des plus importants pour être capable d'être un parasite, Nécessite d'être capable de s'attacher à l'hôte ou de trouver un moyen de s'intégrer dans les tissus de cet hôte. Deuxièmement, une fois qu'ils sont associés à l'hôte, il y a souvent l'obligation de traiter avec le système immunitaire de l'hôte, qui va réagir à l'intrus et en essayant de le détruire ou de le déloger. Par conséquent, des adaptations seront nécessaires dans certains cas pour permettre des organismes parasites, en particulier des endoparasites, de se défendre contre le système immunitaire de leur hôte. De plus, étant donné que l'habitat au sein des organismes en particulier peut être un endroit solitaire, il peut souvent être difficile de trouver des partenaires sexuels. Donc, le parasite peut avoir besoin de développer des adaptations qui favorisent la reproduction dans des situations où trouver des partenaires sexuels peut être un facteur limitant. Toujours en ce qui concerne la reproduction, afin de compléter le cycle vital, il faut souvent trouver un nouvel hôte et un moyen d'atteindre cet hôte. Donc, nous allons noter qu'il y aura probablement des adaptations en ce qui concerne toutes ces caractéristiques, afin de promouvoir le mode de vie parasitaire. En ce qui concerne les ectoparasites, ceux qui se nourrissent à l'extérieur des autres organismes, nous avons plusieurs animaux qui le font, par exemple chez les arthropodes. Nous avons des tiques, comme celles que vous avez vues plus tôt, et des acariens, comme ces poux humains. Ce sont tous les deux des ectoparasites communs. Les tiques se nourrissent généralement de sang sur l'extérieur des animaux, connus comme des hématophages, alors que les acariens, comme ce troupeau d'acariens à l'air très affamé, qui vont en grande partie se nourrir soit dans le détritus, comme dans nos tapis, ou dans le cas des parasites des plantes, à la surface des feuilles, comme ces pucerons d'autres ectoparasites du phylum des arthropodes par exemple peuvent être des puces ou des poux qui sont très bien adaptés pour s'accrocher aux poils et se nourrir de la matière organique qui se trouve dans le pelage des mammifères mais les ectoparasites ne sont pas limités aux arthropodes nous avons des ectoparasites dans le groupe des vertébrés également à titre d'exemple et plutôt viscéral nous avons les lamprois ou poissons sans mâchoire, de l'ordre des Petromyzontiformes. Comme vous voyez très clairement ici, les lamproies ont une bouche cyclostome, ce qui signifie une bouche ronde couverte de crochets et de dents. Au centre se trouve une langue rétractable avec des dents très pointues. Celles-ci permettent à la lamproie de s'accrocher à leur hôte, qui est généralement un poisson ou un autre vertébré dans l'eau, parfois des tortues. La lamproie s'accroche à la peau de son hôte, comme cette truite grise, en utilisant leurs dents pointues, semblables à des crochets aiguisés. Ils activent la langue pour percer un trou dans le côté de leur hôte, puis ils se nourrissent des tissus et le sang et les autres fluides à l'intérieur. En ce qui concerne les endoparasites, il y en a beaucoup d'autres à discuter. En fait, la plupart des plantes et des animaux de la planète sont connus pour être des hôtes pour différents types d'endoparasites, et d'une manière ou une autre, seront affligés par des endoparasites à un certain moment donné de leur vie. Un groupe important des endoparasites est celui des nématodes. Le nématode est un phylum de verre rond qui se trouve être aussi des pseudocélomates. Qui signifie qu'ils ont un sélum dans leur corps, mais cette cavité corporelle n'est pas entièrement enfermée dans le mésoderme. Et donc, le mouvement de ces vers est limité à un déplacement latéral en se secouant. Cela place aussi une pression énorme sur leur tube digestif, à cause de l'absence du mésoderme ou de muscles pour protéger ces pressions exercées. Donc, en termes de locomotion, ce n'est pas très efficace s'ils vivent en liberté dans le monde. Mais s'ils sont à l'intérieur des corps des autres organismes, que ce soit des plantes ou des animaux, l'environnement offre suffisamment de résistance d'un côté à l'autre pour que cette locomotion soit relativement efficace pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Certains types de nématodes qui peuvent affecter des humains sont des vers intestinaux. Les vers intestinaux, comme ceux-ci, sont essentiellement ceux dans lesquels les vers adultes se nourrissent avec nous de la nourriture dans nos intestins et se reproduisent à l'intérieur. Leur cycle de vie comprend une phase à l'extérieur du corps humain où les œufs sont excrétés dans les fesses et se trouvent dans l'environnement extérieur. Pour que le cycle se termine, à un moment donné, il faut qu'il y ait une infection de retour dans un nouvel humain. Par exemple, avec une très petite larve qui pénètre dans les zones à peau fine entre nos orteils quand on marche pieds nus dans l'herbe. De là, elle migrerait à travers le système circulatoire pour trouver son chemin dans les poumons. Une fois que nous avons ces jeunes larves dans les poumons, elles remonteront la trachée jusqu'à notre bouche, où elles seront ensuite avalées. Et c'est le moyen par lequel il passe du système circulatoire dans le système digestif afin de compléter le cycle vital en se nourrissant dans nos intestins, en trouvant un autre compagnon et se reproduisant à l'intérieur, puis en relâchant les œufs par les excréments dans l'environnement pour recommencer le cycle à nouveau. Certains vers nématodes sont en fait des causes importantes de problèmes de santé publique via des maladies dans le monde, y compris l'éléphantose, qui implique une forme de vers filière, c'est-à-dire un vers nématode qui est très, très fin, qui souvent vont se loger et bloquer les tissus lymphatiques et provoquent des gonflements incroyables dans les membres en aval de ces tissus lymphatiques. Dans ce syndrome, nous l'appelons éléphantose à cause des membres ressemblant à des éléphants qu'il crée à partir de ces grosses accumulations de solutions lymphatiques. Il est intéressant de noter que la propagation d'un hôte à un autre de ce nématode particulier nécessite l'aide d'un insecte vecteur comme taxi. Et ce vecteur est le moustique qui en piquant une personne infectée va ramasser les larves microfilaires ou les minuscules petits vers nématodes immatures et les moustiques vont ensuite les transférer à un autre individu lors de leur prochain repas sanguin et ensuite les vers microfilaires vont migrer à travers le système circulatoire et ensuite atteindre les ganglions lymphatiques donc nous voyons un autre exemple de l'ingéniosité dans des adaptations cette fois en utilisant un vecteur tiers en ce qui concerne la recherche de moyens pour compléter le cycle vital et d'être capable de réaliser les besoins reproductifs dans ces organismes qui vivent cachés dans le corps de leur hôte il n'y a pas que les humains ou les animaux qui sont des hôtes pour des endoparasites de nombreux insectes sont parasites sur des plantes y compris ceux qui produisent des gales les gales, comme celles sur cette verge d'or, sont des réponses immunitaires des plantes qui ont eu un œuf déposé dans leur tissu. Qu'il s'agisse d'une guêpe ou d'une mouche qui pond des œufs dans une feuille ou une tige, la réponse de la plante aux produits chimiques sur la surface de l'ovipositeur, comme celle de cette guêpe biliaire, et l'œuf qu'elle a pondu, déclenche une croissance des tissus qui gonflent autour de l'œuf comme nous le voyons ici. Pour le parasite, cela a l'effet pratique de protéger cette progéniture pour le développement larvaire, ainsi que de le nourrir sur les tissus de la gale à l'intérieur de sa chambre protectrice. Ce sont des exemples très intéressants de parasitisme dans lesquels l'organisme ne profite pas seulement de ses hôtes pour se nourrir, mais aussi manipule son système immunitaire de telle manière que cela profite au cycle de vie du parasite. Dans un épisode précédent, nous avons vu les vers plats, le premier groupe d'organismes qui ont évolué le mésoderme dans notre clade des Lophotrochozoaires. Nous avions seulement parlé des vers plats libres. Cependant, il y a aussi de nombreux vers plats qui sont endoparasites des vertébrés et des invertébrés. Par exemple, dans la classe des trématodes, il y a de nombreux endoparasites communément appelés des douves. Qui se nourrissent des cellules de leur hôte en tant que verre plat adultes. Et en tant que tel, on note qu'il y a des suceurs oraux, des pinces et des crochets leur permettant de s'incruster dans les tissus et d'aspirer la nourriture liquide de l'intérieur. Ces douves ont une peau très épaisse, connue sous le nom de téguma, qui est une adaptation pour résister aux réponses du système immunitaire de l'hôte pour essayer de détruire le parasite comme un intrus. le tégument est aussi fortement replié en microvilléité augmentant la surface et favorisant la diffusion des fluides nutritifs à travers la paroi du corps directement dans le parasite. le cycle vital de ces douves implique une alternance entre un hôte reproducteur et un hôte de croissance où le partenaire subit une reproduction sexuelle ou croissance développementale, respectivement. L'hôte où le parasite va se reproduire est connu comme étant son hôte définitif. Et l'hôte intermédiaire est l'endroit où les parasites individuels vont croître et se développer ou qui peuvent augmenter la taille de leur population par des moyens de reproduction asexuée. Donc, un exemple de douve du foie qui peut se nourrir des humains est celle qui peut être attrapée en mangeant du poisson cru. Parce que les douves en leur forme larvaire s'incrustent dans les muscles du poisson et forment un kyste dans lequel ils resteront dormants jusqu'à ce que le poisson soit mangé par un humain, qui n'a pas correctement cuit cette viande avant de l'ingérer. Ces kystes qui sont dans les muscles du poisson vont alors émerger, se développer en douves adultes et se nourrir de l'hôte humain pendant un certain temps avant de se reproduire. Et ensuite, les œufs provenant de cet hôte humain seront libérés à travers les excréments. Ils se trouvent leur chemin dans la colonne d'eau et sont ramassés éventuellement par un escargot se nourrissant de la végétation sous-marine. Cet escargot transmettra ensuite ses larves à l'hôte intermédiaire secondaire lorsqu'il sera mangé par un poisson, ou il formera alors des kystes dans les muscles du poisson pour compléter le cycle vital une fois qu'il sera mangé par un autre vertébré, comme un humain qui mange un repas de sushi. Miam miam. Une autre forme de ver plat ou platialement parasitaire sont les ténia ou verts rubans de la classe des cestodéas. Ces ténia se nourrissent également de nous-mêmes, mais ils le font dans la muqueuse intestinale. Et ils ont des têtes féroces, composées des crochets qui vont s'accrocher à la surface, y compris un certain nombre de ventouses qui leur permettent de s'attacher au revêtement intérieur de nos intestins. Leur corps est composé d'un grand nombre de segments répétés. Connus sous le nom de proglottides, qui sont essentiellement des unités reproducteurs. Chacun de ces segments proglottides peut se libérer une fois qu'il est fécondé et libérer tout un paquet d'œufs par l'excrément afin d'augmenter rapidement la taille de la population et d'espérer la réussite de la colonisation d'un nouvel hôte une fois que ces œufs sont libérés dans l'environnement. Un cycle de vie typique de l'un de ces ténia est que les adultes se logent dans l'intestin et se reproduisent là-bas, soit avec un autre partenaire sexuel ou sinon par autofécondation de ces proglottides hermaphrodites. Le segment entier contenant tous les œufs fécondés sera libéré du corps du ténia et dans l'environnement par le biais des excréments de l'hôte et sera ramassé par un hôte secondaire ensuite. Par exemple, il pourrait être ramassé par une sorte de crustacé, se nourrissant dans les eaux contaminées et qui sera ensuite mangé par un poisson. Si ce poisson devait être mangé par un humain, c'est notre moyen par lequel nous pouvons transmettre l'endoparasite de l'environnement externe à son hôte définitif ou reproducteur, lorsque nous mangeons de la chair qui contient ces parasites et sans les cuire correctement. Enfin, un type très intéressant de parasites sont des parasitoïdes, qui sont des insectes que l'on communément trouve parmi les ordres des mouches ou des guêpes, comme ceux des guêpes femelles Cotesia glomerata, qui interrompent le dîner des larves de papillons de la feuille de chou en y déposant leurs œufs. Ces œufs vont finalement éclore à l'intérieur de ces malheureuses génies. Et mangeront leur chemin pour en sortir. Une parasitoïde est une sorte d'organisme qui est parasite dans une seule étape de son cycle de vie. Dans ce cas, les insectes parasitoïdes sont parasitaires dans leur phase larvaire. Pour les adultes parasitoïdes, leurs soins parentaux consistent à trouver un hôte pour leur progéniture, sur laquelle ils vont pondre leurs œufs, soit à la surface de cette hôte auquel cas ils sont appelés des ectoparasitoïdes, ou soit à l'intérieur de cette hôte étant un endoparasitoïde. Dans les deux cas, il s'agit de placer les œufs de telle manière que lorsque la larve émerge de l'œuf, elle aura une source immédiate de nourriture pour pouvoir commencer à se nourrir tout de suite et de commencer leur vie sur de bonnes bases. Par ailleurs, ce cycle de vie endoparasitoïde a été la base de l'idée derrière le film Alien, où les extraterrestres pondent leurs œufs à l'intérieur de l'hôte humain et se développent dans cette phase larvaire immature, ensuite pour émerger plus tard une fois qu'ils ont consommé suffisamment de l'hôte pour pouvoir passer à l'étape suivante dans leur cycle de vie, terrorisant l'équipage du nostromo. Donc, pour résumer, on peut dire que le parasitisme peut mener à un cycle de vie qui est très réussi, surtout s'il y a des défis très importants qui sont réalisés, notamment l'accès aux hôtes ou la localisation des partenaires sexuels pour compléter le cycle vital dans les divers comportements qui se trouvent dans l'environnement, tels une série de hôtes comme des escargots, des poissons, ou si on n'est pas chanceux, nous-mêmes.